Précédemment, dans Murder Soul Suspect. C'est des enfoirés quand même. Tu sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter. Enfin, c'est un enfoiré. Tous ces trucs de gang et de dollars, c'était tout sauf un flic. Ouais, tu dis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue crétin. Non, il a ouvert. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stewart à l'intérieur. What? Mais c'est un fantôme! Bon, on va monter. Oula. Mais c'est quoi ces trucs? Je le sens pas là. Je le sens pas. Je le sens pas, les gars. Je le sens pas. Waouh! Waouh! Ça fait peur! Elle m'aspire mon âme. Elle fils de. Hello, hello, les amis, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder Soul Suspect. Alors, bon, bah, on va monter, hein. On va suivre, on va continuer l'aventure. Est-ce qu'on peut passer à travers ces murs? Non. Donc on va rentrer là. Hein. Oula. Je viens de voir quelque chose qui ne me plaît pas. Il va falloir les éliminer assez rapidement. Deux, ils sont... Waouh, ça va être dur. Est-ce qu'il peut me voir? Ah! J'arrive plus à bouger. Oh bah ça commence bien. Bon, je vous explique. En fait, je me suis juste décalé de touche. Du coup, j'appuyais sur E au lieu de Z. Et je risquais pas d'avancer. Voilà aussi pourquoi j'ai raté. C'est sympa. Allez, j'y fonce de suite. Voilà. Allez, voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça un peu? Bon, il en reste un quand même. Hein. Va falloir être prudent. Salut. Jamais compris hein, ce système de fantôme en 2D qui te suit peu importe comment tu regardes. C'est bizarre. Salut. C'est toi. T'es une célébrité. Ah merci. Ça va. Bon, enfin, je suis mort quoi. Ouais, l'inspecteur. Ah, il y a quelque chose là. Bah voyons. Une fête par exemple. Là. Aller à Boston. Il pourrait pas nous arriver une aventure à l'intérieur. Tu veux de l'aventure, tu veux de l'aventure, tu veux en avoir de l'aventure. Ça m'irait très bien de regarder un film en fait. Deux mecs complètement différents là, hein, sur le coup. Ah ouais, le parking, le trajet. Allez. Non, je me suis trompé. Ah, vite fuyez. Dès qu'il arrive par là, hop, je vais me cacher là-bas. Où il est, où il est?
Où il est? Ah, c'est bon, il est retourné. Pouf, on a eu chaud. Ouah, mince, il m'a vu. Oh là là. Eh, c'est pas facile, hein, mine de rien. C'est bon? C'est bon. Allez, courage. Allez! Ah, mais c'est pas possible! Je vais la voir! Ah, ça fait flipper quand même. Qu'est-ce qu'il faut? Allez, viens là, non. C'est bon, il est parti. Ouh. Bon, allez, un autre essai. Oula, il regarde vers moi, là, c'est pas mon signe. Ah, non. Non, vite, cache-toi. Ça fait flipper. Au secours. Je vais réussir à l'avoir. Allez, viens mon petit, viens. Viens là. Oh purée. Allez. Voilà, ça y est. Comment ça? Ah non, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je me suis pas trompé pourtant. Oh, mais c'est pas possible. Bon, je fais une petite pause jusqu'à que je l'ai, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Allez, à tout de suite. Et voilà, enfin. Il était temps. Ah, ça va, j'ai pas mis trop de temps depuis la coupure, hein. Mais bon, c'est pas facile, hein. Pas facile. Bon, il n'y a plus rien à cet étage, on devrait être tranquille, je pense. À moins qu'il y en ait qui apparaissent, ça j'en sais rien. On verra bien. Oui, bon, là je suis déjà allé. Voilà. On continue. Allez. Voyons voir. Ah, bon, c'est déjà la fin de l'étage. Ok. Bon, on va visiter, il doit y avoir des trucs. Ah, voilà. Un fantôme. L'électrocution ou le rasoir, pourquoi tu as fait ça? Alors déjà, j'ai pourquoi tu as fait ça avant de savoir pour qu'est-ce qu'il a fait. En plus, il y a un rasoir sur le côté. Alors bon, à mon avis, c'est le rasoir. Hein. Allez, pourquoi tu as fait ça? Merde. Pourquoi tu t'es fait ça, petit? Les voix. C'est... Putain de voix, j'avais peur. Je voulais juste qu'elle se taise. Pourquoi t'as pas cherché de l'aide? Un docteur ou un ami, je sais pas. Personne m'a écouté. Personne m'a pris au sérieux. C'était la seule façon de les faire taire. Il y avait tellement de bruit. Mais c'est calme maintenant. Enfin calme. Je suis désolé, petit. Tu méritais pas tout ça. What? Ah d'accord, en fait, ouais, c'est ou le rasoir ou l'électrocution, ok, je viens de comprendre. Ah ouais, quand même, le gars, il avait envie de mettre fin à sa vie. Hein. Vous entendez? Le silence. Quoi? Bah, y a rien. Arrête de me faire paniquer, là, ça va. Et j'aimerais bien... Ah. Pottergeist, qu'est-ce que c'est? What? Et ça sert à quoi? Ok. Venez, je vais faire un petit tour en bas, je vais voir si je peux faire pareil. Hop, je vais faire un petit montage, hein, parce que... Je suis sûr que t'as vu tout ce qui s'est passé. Tu m'as fait la maligne. Toujours
fenêtre à fourrer ton nez dans les affaires des autres. Je crois qu'on a assez de cauchemars pour un bon. Oh ben écoutez, je viens de trouver en fait, j'ai essayé ça et je viens de trouver. Parce que je l'avais pas fini, je savais pas ce qu'il fallait faire, je croyais qu'il fallait continuer, en fait non, donc je viens de trouver, il faut trouver un ordre en fait dans tout ça, donc finalement je vais peut-être trouver. Alors, secret de la vieille dame en premier, meurtre mystérieux, elle est persuadée qu'un vieux couple résident dans l'immeuble a assassiné, je vais pouvoir mieux de me renseigner. Dans l'ordre des événements, mot d'une voisine. Sa femme a un sale caractère. Allez, on va choisir ça. Voilà, secret du vieil homme. Du coup, le mot de la voisine, peut-être. Ah non. Non, tu vois. Donc ça doit être ça. Bon, ah, je peux plus faire ça. Ah merde. Bah, ça doit être ça alors. Voilà, un meurtre mystérieux. Ah, je ne pouvais pas supporter le fait de la jeune fille, elle l'a tuée et a envoyé son mari se débarrasser du corps à la carrière de Smithwick. Ah ben voilà, j'ai le dernier indice. Plus qu'à aller lui dire. À qui? Ah oui, à Grace. Ah ben voilà. Finalement, je peux finir la mission. Si tu trouves pas ton corps, c'est parce qu'il n'est pas ici. Il est enterré dans la carrière de Smithwick à environ 10 km d'ici. Oh. Pourquoi ils ont fait ça? Tes soirées les empêchaient complètement de dormir. C'est la fatigue qui les a rendus faux. Je pensais qu'ils exagéraient, en fait. Quand même. Je n'aurais jamais cru qu'ils en arriveraient là. Merci pour votre aide. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée de comprendre. À ton service. Vous savez, je n'ai jamais été fan de la police. Ils passaient leur temps à m'engueuler, à me rabâcher que je gâchais ma vie. On ne s'est jamais très bien compris. Ben, tu vois, ils avaient raison. Tu as gâché ta vie et tu en es mort. Peut-être voilà. Que les choses auraient pris voilà, voilà, voilà. Il faut... Les enfants, il faut écouter la police. Pas tout le temps, mais il faut l'écouter le plus souvent quand même. Et je gagne quelque chose? Non, même pas. Bon, un succès, ok. Bon, c'est déjà bien. Bon, ben voilà, allez, on va remonter. Et donc, nous voilà en haut des escaliers. Et maintenant, on va monter au quatrième étage. Là où là, il y a la police. Ouais, donc en fait, je fais ce que je veux. Déjà, je suis un fantôme. Donc en fait, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée, d'accord. Je le répète, l'enquête suit son cours. Oui, bon, on a compris. L'immeuble est sécurisé ? Ouais, l'immeuble est sécurisé. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe ici ? Hop, révélé. Appuyez sur obtenir un... ouais, bon, ok. Bon, hein, je ne sais pas. Là. Ah, mais non, j'ai pas fini encore la quête. Qu'est-ce que... Bah, je comprends pas. Pourquoi 6 sur 7?
Ok. Bon, je sais pas. Hé, hey, Bryce. T'aurais pas vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir. Ah, encore lui, mais il était dehors. Comment il a fait pour rentrer? What? Genre, mais c'est tellement pas possible. J'ai pas vu rentrer, je l'ai pas vu monter, j'étais sur le chemin tout le long, donc... n'importe quoi. Bon sang. C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Oh. C'est mignon. Attends. Pourquoi sa mère lui a donné un flingue? What? Qu'est-ce que j'ai loupé? Pourquoi tu étais là, ici, toi, d'abord? Révélé. La fonction révélée montre les restes de souvenirs gravés en ce mur. D'accord, bon, on va analyser, mais après, d'abord, voilà, il y a des trucs qui sont... Prendre. Ouh, 14 indices, d'accord. Par contre, j'avais vu un truc... Bon, le passage entre les murs, ça fait un peu... Je voudrais simplement que vous circuliez pour nous laisser faire notre travail. Ça fait un peu bizarre, hein, de temps en temps. De temps en temps, on voit rien. Voilà, ouais. Oh là, il y en a des indices. Il y en a des indices par ici, hein. Bon, allez, on commence l'enquête, alors. Analyser. Que faisait le tueur? Il cherchait quelque chose? Oui, sûrement, oui. Et donc? Sans but, déterminé. Ouais, ok. Bon, enfin, ça, c'est pas génial non plus. Hein, non. Ok. Le tueur était à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, mais qui ou quoi? Démarrer média. Ah, c'est ce qu'on a vu il y a 2 secondes. Ok. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Alors, prendre. Rencontre avec les parents de Ronan. Qu'est-ce que c'est? C'est même pas un indice, ça. Si. Baxter cherchant la fille. Fouiller l'appartement à la recherche d'un indice. Ouais, ok. Affaire annexe. Oh. Ok. Alors, on sait qu'on peut trouver quelque chose. Là, examiner. Les dessins. Dessins d'enfants. Donc, il y avait un enfant par ici. Un enfant et une femme. Le locataire travaille avec des enfants, on dirait des tests psychologiques. Ah, c'était une psy. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi. Je ne vois que la mort. Bon, là, il y a un truc, mais je sais pas comment l'analyse. Je peux pas passer à travers, tiens. Bon, le flingue, ok. T'as 14 indices, quand même. Cadeau de maman. 2 flingues n'ont pas suffi à l'arrêter. Waouh. Ok. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Obtenir une de plus pour découvrir l'histoire. Merde, il me manque un. Hop là, j'ai vu un truc. Examiner. Supernaturel. Pff, les fantômes, ça n'existe pas. Oh, wait. Fouiller l'appartement à la recherche d'un bis. D'accord. Je veux voir. Qu'est-ce qu'ils disent?
Une guitare, je peux jouer. Ah. Révélé. Oh. Pauvre petite fille. Que faisait-elle? Elle se cache! Elle observe! Effrayée! Ouah, c'était dur! Donc peut-être qu'elle cherchait la fille, peut-être qu'il cherchait la fille justement. Quelqu'un était témoin de mon altération. Altercation avec le tueur, qu'est-ce qu'elle a vu? J'en sais rien. Ça m'aide pas beaucoup tout ça. Enfin si, quand même, mais... Enfin, c'est bien qu'il y avait un témoin, mais je sais pas qui c'est, je sais pas comment je peux l'avoir. Peut-être qu'on va la... Bon, on va sûrement l'avoir plus tard. Là, examiner. Signe de lutte. Mon altercation avec le meurtrier a vite tourné au combat violent. Oh. J'avais un flingue, bordel. J'en avais même deux. Examiné. Je suis vraiment une brêle, quand même. Ce type m'a sacrément secoué. Il est d'une force surhumaine. Ah, bon. Ça va tourner en épisode de Marvel, ça. Oh. Oh. What? Ça freeze. Brisé. Ouais, c'est la suite des verres, quoi. Le tueur m'a jeté par cette fenêtre. Oh. Ah, les indices sont un peu bizarres, quand même. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça, quoi. Ça va. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Le tueur reste une énigme pour la police. Et une ombre qui plane sur ma vie. Si seulement je pouvais protéger Joy de tout ça, je serais prête à tout. Je serais prête à l'abandonner pour qu'il ne lui arrive rien. What? Inquiétude pour la sécurité de Joy. Cassandra se soucie principalement de la sécurité de sa fille. Qui est Cassandra? Qui est Joy? Joy, c'est peut-être la fille. Mais Cassandra, donc, c'est la mère, mais... C'est qui? Pourquoi il donne son nom, mais on sait même pas qui c'est? Ah, voilà, Cassandra, statut de la demande d'avis de recherche. Donc, il recherche la mère. Il s'agit de la mère, la même Cassandra Foster qui a collaboré avec la police en tant que consultante. Non, c'est pas ça que je veux être là. C'est, en plus, c'est une consultante. L'une des disparues, Cassandra Foster. D'accord. On verra ça plus tard. Déjà, on cherche vite fait les... Ce qui reste d'indices par terre. Y'a pas des indices par là? Non. Et ça, je peux pas révéler ou un truc comme ça? Bon, on va aller posséder, on va voir. Lire dans mes pensées. Pourquoi il répond pas à Jill? Ces questions sont pas bêtes. S'il a pas que ça à foutre. Et il faudrait que je reste avec ce groupe quand je partirai. Non mais attends, pourquoi ils veulent rien nous dire? Non, pourquoi? Parce qu'il y a eu un meurtre. Pourquoi tout le monde veut les détails sordides? Ce serait bien si Scott pouvait se détendre. Bon, rien d'intéressant. Merde, il faut qu'on trouve ses locataires. Si elles sont encore en vie. Trois pauses. Il a pas fait une... Il a même pas fait de pause. Ah là, 9. Non? Non, c'est le mur. Donc, la fille, j'ai vu. Je peux pas passer par là. Ouais, d'accord. La salle de bain. Rien dans la salle de bain.
9 sur 14 indices, hein. Il reste encore 5 indices quand même. 5 indices et je sais pas du tout où ils sont. Alors bon, si vous regardez la vidéo, vous allez peut-être les voir que des trucs que je n'ai pas vus. Vous allez dire, c'était là, ouais, oh, il faut regarder, il faut mieux regarder, t'es aveugle. Mais bon. Oh, indice, où es-tu? Dans le carton, non. Non. L'ordi, non. Trouver une réponse. Ok. Pourquoi le tueur était ici? Mais sûrement qu'il voulait voir le témoin. Témoin se cachant. Et non, ça c'est le combat, on s'en fout. Trace de lutte. Dessin mystérieux. Livre sur les fantômes. Non, bon, on va mettre le tueur. Ah, c'était ça. Tada! Ah, on voit la scène avant. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Waouh ! Il m'a fait voler ! On va voir la scène. Ah ouais, force surhumaine. Wow, ce combat. Mais mon dieu, je suis un jouet quoi. What? C'est le gars de Fast and Furious. C'est fou, mais c'est quoi ce mec? Ah, évidemment, là, la vitre elle va être ouverte à tous alors les coups. C'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Bah, t'as vu la fenêtre. Donc tout à l'heure, la fenêtre n'était pas ouverte. Maintenant, elle est... Certaines enquêtes comprennent plusieurs questions ou réponses multiples. Non. Cette fille pourrait être celle que cherchait le... Ok, continue. Comment ça, plusieurs questions? Bon, voyons voir. Donc, elle était cachée là-bas. Elle était cachée ici. Et voilà, la fenêtre est ouverte et je peux sortir, comme prévu. Bon, ben, on va sortir. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Ah, je dois quand même rechercher d'autres indices. Bon, ben, on va rechercher d'autres indices, mais avant ça, on va se quitter ici. Et donc, j'espère vous voir pour le prochain épisode assez nombreux. Et je vous dis à bientôt, bye bye, je vous aime.